J'adresse à vous cette vidéo, mon frère et ma soeur. C'est par l'amour de Dieu, mon frère, ta vie, tu changes, je l'ai dit. Mon frère, parce que c'est que vous êtes nombreux à ce moment que vous me téléphonez. C'est l'amour de Jésus qui nous sauvera. Jésus est merveilleux, mon frère. C'est par la grâce, cet amour qu'il a sacré sa vie, qu'il est mort sur la croix. Parce qu'il est mort sur la croix pour nous. C'est pas pour qu'ils sont plaisir, mon frère, nous, pour le plaisir de sa mère. Non, parce que Dieu a envoyé cette fils unique qu'il a versé cette sang, qui est mort pour nous, mon frère. Donc, ça pour moi aujourd'hui, j'ai prié pour mes frères et sœurs qui sont malades de sida. Vous pouvez me rendre, c'est par la prière, par la grâce, par la bénédiction de Dieu, mon frère, qu'on peut trouver par l'amour de Dieu. Mon frère, ma sœur, le sida, ça ne te contamine pas dans ton voisin, ça ne te contamine pas par toi. Non, mon frère, peut-être c'est une épreuve aussi, le Seigneur qui t'utilise sur toi, pour utiliser ton frère comme je voudrais, peut-être mon frère. Retournez-vous au plus près de Dieu, mon frère et ma sœur. Lève-vous vers le ciel comme je vous répète chaque fois. Regardez le ciel. C'est merveilleux, donc on voit les gens qui aiment le Seigneur Jésus-Christ comme ça. Je vous l'ai déjà répété plusieurs fois, mon frère, tout ça. Si vous voulez désapprécier le royaume de Dieu, ça approche. Ça approche chaque jour le royaume de Dieu. Il y en a beaucoup de monde qui il vient auprès de l'Éternel. C'est pas le jour que tu es malade maintenant que tu viens voir Dieu. Non, tu étais en bonne santé, je l'ai dit. Il faut préparer ton chemin. C'est pas le jour que tu es malade ou tu es paralysé. Oui, c'est là que tu cherches le royaume de Dieu, tu cherches l'amour de Dieu. Si vous voulez, le Seigneur, il peut te pardonner. Enfin, il faut préparer Dieu. Il faut aimer Dieu qui était encore fort, mon frère. Il faut aimer Dieu que tu étais, comment ça s'appelle, tu es dans le monde. Maintenant, tu es dans le monde, que tu es paralysé, tu es handicapé, tu retournes auprès de l'Éternel. Non, mon frère, Dieu ne t'a pas abandonné. Sauf moi, vous êtes aveugles dans ce monde-là, monde des matérialistes. Là. Le monde, ils sont aveugles par les loves de Satan. Les diables qui règnent sur cette terre, mon frère et soeur. Retournez-vous auprès de l'Éternel Dieu. Préparez vos saluts, préparez vos chemins. Parce que votre âme, on en a besoin, la parole de Dieu. Comme mon âme, on en a besoin, la parole de Dieu, mon frère et ma soeur. C'est pour ça que ce matin, je vous adressais ça. Parce que j'ai reçu ce message, mon frère. Si j'en profite, qu'il y a, mon frère. Ça signifie quoi? J'ai pris plus pour mes frères et soeurs qui sont malades. Il y a beaucoup de pasteurs, comme je vous disais, qui enseignent la parole de Dieu. Moi, j'ai pris pour les frères et soeurs qui sont malades. Je déplace beaucoup mon frère et ma soeur pour les gens qui sont paralysés. Pour les gens qui sont malades à l'hôpital, pour les gens qui n'arrivent plus, bouge quoi que ce soit, mon frère. Ça, c'est ma mission à remplir sur cette terre avant que je quitte cette terre. Je pose les mains sur vos épaules, je pose les mains sur vos têtes, je pose les mains où vous êtes malade, mon frère. Ça porte ses fruits parce qu'il faut maintenant que c'est à vous. Donc on a fini de prier. C'est à vous qu'il croit maintenant. Croyez, mes frères et sœurs. Moi, j'ai prié pour vous. Enfin, maintenant, il faut que vos cœurs ils changent. C'est à partir de le cœur qu'on peut changer notre vie, mon frère et ma sœur. C'est pas à partir de quelque chose que matériel, oui, qu'il faut prouver. Vous, nous, les hommes, on est aveugles. Tant qu'ils ne voient pas le Seigneur devant, et pourtant le Seigneur est devant vous. Il est tous les jours devant vous. 24 ou 24. Et comme je vous disais, c'est déjà après cette parole. Vous avez des anges au milieu de vous. Tous les hommes ont des anges au milieu d'eux. Et pourtant, Dieu, il est tous les jours était avec vous. Comme il a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Dieu, il est auprès de nous jusqu'à la fin du monde. Le royaume de Dieu, il arrive. Il faut préparer vous simplement. On ne sait pas quand le royaume de Dieu est là. Préparez-vous. Avec le monde aujourd'hui, ils sont aveugles. Les catastrophes arrivent. Tout ça, pour moi, c'est déjà in sin, mon frère et ma soeur. C'est in sin, ça signifie Satan, il commence à paniquer. C'est pour ça qu'il veut maximum pour rassembler les serpents sur cette terre-là. Et pourtant, dans le nom de Jésus, j'ai banni tout ça. Parce que Dieu nous a donné le pouvoir pour marcher sur la tête des serpents, sur la tête des scorpions. Mon frère et ma soeur, tu as le pouvoir, tu le dis au diable qui était loin de ta vie. Tu as le pouvoir pour te dire aux maladies, loin de toi. Tu as le pouvoir pour bannir toutes les choses de mal dans ta vie, mon frère. Dieu t'a donné toutes ces choses pour que tu es loin de ta vie. Dans le nom de Jésus, tu dis, mon frère, éloigne-toi de moi. Dans le nom de Jésus, serpent, éloigne-toi de moi. Dans le nom de Jésus, le diable, éloigne-toi de ma vie. Parce que Dieu, il est auprès de toi. Personne ne vit sans la parole de Dieu.
Personne ne survit sans l'amour de Dieu. Peut-être que tu la donnes 1 million à l'œuvre de comment ça s'appelle. Tu peux faire des dons pour l'œuvre, mon frère et ma soeur. C'est pas ça qui va te sauver ton âme. C'est pas ça qui te sauvera. Il faut préparer toi tant que tu es sur terre, que tu es en bonne santé. Remercie le Seigneur. Rends grâce à Dieu chaque jour. Prépare ton âme. Parce que personne ne prépare à ta place. Chacun son salut. Chacun il porte sa croix, mon frère et ma soeur. Simplement, je suis là pour m'adresser à vous. Pour que préparer votre chemin. Pour prier pour vous. On ne peut rien faire ça. On est là pour que vous enseignez la parole de Dieu. On est là pour que dire comment on marche dans le nom de Jésus-Christ. Comment tu prépares ton chemin le jour que tu vas arriver dans le royaume de Dieu. Moi, tu l'as déjà préparé ici. Donc, c'est pour ça que cette vidéo-là, c'est préparation de sommeil. Le titre, c'est une préparation de son sommeil pour qu'il arrive dans le royaume de Dieu. Prépare-toi tant que tu es en bonne santé, mon frère et ma soeur. Rends grâce à Dieu. Tu n'attends pas que le jour que tu étais malade, grave, c'est là que tu veux, tu retournes vers Dieu. C'est un peu trop tard. Hein? Les gens, tu connais l'homme, comment ils sont. Tu es en bonne santé, il est près de toi. Le jour que tu vas mal, l'homme, il te rejette. L'homme, c'est comme ça. Chacun, c'est soit sur cette terre-là. Donc, il faut préparer notre chemin, mon frère. Tant que tu as la force, il faut retourner auprès de Dieu. On ne peut rien faire sans le Christ. Sans la bénédiction de Dieu, on ne peut rien faire. Sois béni, mon frère. Même tu as une sida, mon frère. Tant que tu as une souffle de vie, tu as un espoir. Sois béni. Amen.